Ok, alors là nous sommes à environ 170 km de Clermont-Ferrand. Donc vous voyez qu'Alain, il est là. Donc ça c'est le fourgon, moi je suis par terre. Bien sûr, j'ai réussi à me blesser, je sais pas comment, peut-être qu'Alain, et ça avait saigné tout là, donc j'ai tout nettoyé. Hop, qu'on voit un peu comment on est installé. Coucou. Je sais pas quelle heure il est, je crois que c'est 9h30 le 14 août. Ouais, ça doit être ça. Attendez. Hop. Je sais pas trop ce que ça va faire étant donné que je peux pas voir l'écran. Donc moi je me suis passé la crème solaire à l'instant. Je me suis attaché les cheveux. Là, j'attends que mon père revienne et on pourra reprendre la route. Donc on est parti à 7h05 de la maison. Et Voilà. alors là, il est midi 47. Comme vous pouvez le voir, nous sommes arrêtés sur une aire de pique-nique. On vient de finir de manger. On attend un peu avant de partir. Je vais essayer de vous montrer. Hop! Voilà, donc câlin, il commence à s'habituer, mais c'est vrai que la route est longue. Ok, donc comme je le disais avant d'être coupée par mon père, nous sommes arrêtés sur une aire de pique-nique, on a fini de manger, on attend pour repartir. On est parti donc depuis ce matin 7h, là on a fait à peu près la moitié du chemin, à peu près. Et voilà. Ok, alors je reprends cette espèce de vlog, si on peut dire ça comme ça, sachant que c'est mon premier. Donc là, il est, je sais déjà plus, je crois, 3h. Il est 3h de l'après-midi. On vient de s'arrêter à une heure afin, pardon, de faire le plein et de faire une petite pause. Et je pense que vous pouvez sentir que j'en ai vraiment besoin. On est largement à plus de la moitié du trajet. Il reste environ 3-4 heures avant d'arriver à destination à Nancy, sachant qu'on est parti donc du sud-ouest. Je sais plus si je l'ai mentionné. Dans ce vlog ou dans un autre, je mettrai sûrement un empty apartment tour. Donc voilà. Thank you.
Bon, alors c'est un bordel, mais je vais quand même vous faire un petit apartment tour. Donc là, je suis à la porte d'entrée. Quand on arrive, il y a un immense dressing, donc qui fait vraiment toute la longueur du couloir, avec un peu du bordel un peu partout, puisque j'ai pas du tout fini de ranger. Alors on arrive, le griffoir pour le chat, à mon avis, va pas bouger, mais bien sûr ça va bouger. Ensuite, on arrive donc dans le premier morceau du thé, avec sur la gauche un espace bar avec du rangement dessous. Ça va bouger aussi, bien sûr. J'ai la table qui attend, le frigo droit devant. Là, il y aura tout l'espace bureau, salon, salle à manger. Ça, c'est le canapé ouvert avec mes deux grandes baies vitrées, et c'est vraiment magnifique, avec vue sur la forêt, comme vous pouvez le voir. Ensuite, l'espace chambre, donc ça, c'est mon lit. Je suis en train de continuer de vider tout ce qui est vêtements, donc je suis en train de remplir tout ça, voilà, tous les le meuble. Ensuite, il y a un premier miroir, salut. Ensuite, on passe donc à l'espace cuisine. Vous voyez que j'ai trois grands tiroirs, un super four électrique avec des quatre plaques électriques qui sont vraiment magnifiques en inox. Ça, un bon point à celui ou celle qui aura trouvé ce que c'est. Il s'agit d'une ancienne hotte aspirante. Il y a des branchements un peu partout. Ah, d'ailleurs, il faut débrancher ça, voilà. Donc, comme je vous montrais l'espace là, bien sûr, tous ces cartons sur le côté vont bouger. Là-bas, c'est le lavabo, donc lavabo de la cuisine, du rangement dessous. J'ai commencé à mettre des produits ménagers. Ici, encore du rangement, une lampe. Ça, j'en avais jamais vu, mais j'en ai un ici et deux à la salle de bain. C'est pratique pour mettre des petits savons ou des éponges. Donc là, on repart. Ici, donc pour la salle de bain, il y a un rideau, il n'y a pas de porte, mais ça fonctionne très bien. Alors, recoucou. On arrive donc l'évier. Là, on a mis ma machine à laver. Dessous, je verrai ici pour caser un panier ou quelque chose afin de mettre d'autres produits. Là, c'est la partie baignoire douche et je suis super contente d'avoir enfin une baignoire. Ça, c'est un meuble, je ne sais pas si vous verrez sur le carton le dessin du meuble. Donc c'est un petit meuble plastique, trois tiroirs. Ce sera super. Et ici, donc, au moment où ça va couper, j'allais donc vous montrer mes vestés. Il y a de la place pour du rangement, c'est vraiment mimi. Pour l'instant, bon, la litière du chat, elle va pas bouger. En revanche, ces gamelles, elles vont bien évidemment pas rester là, parce que c'est mauvais de les laisser à côté, mais pour l'instant, j'ai pas tellement le choix. Hop, me voilà. Alors faites pas attention à ma tête, hein, très franchement, puisque j'ai fait un déménagement, ça fait 3 jours non-stop que je fais que ça, et je suis très loin d'avoir fini. Je vais essayer de finir pour au plus tard jeudi de la semaine prochaine, en sachant qu'aujourd'hui on est dimanche et qu'on a commencé jeudi. Donc je me suis pas lavé les cheveux, faut que je me coupe la frange, hein, ça se voit d'ailleurs. J'ai une tête dégueulasse, il fait chaud, je suis fatiguée, donc c'est pour ça, mais je pense que vous avez l'habitude de couper parce que c'est l'appareil photo de mes parents et il arrête pas de couper. Pour finir, je disais que... Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, j'ai pas pu vous filmer l'empty apartment tour de mon ancien logement. Je vous avais dit que je le ferais, finalement j'ai pas pu du tout, que c'était trop compliqué dans la gestion de l'emploi du temps. Mais j'espère que ce petit tour vous aura plu, j'en referai un si vous le souhaitez quand j'aurai fini de tout agencer. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée à tous.